Alors on va attendre un petit peu, j'ai juste eu le temps de cracher ma machine, donc je ne sais pas exactement comment on va pouvoir faire le cours, on va attendre, soyons patients, tout ira bien. Alors, ça va être un petit peu spécial parce que la machine a crashé, donc je crois que le document est perdu. C'est pas grave, on va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre le temps de, comme d'habitude, dire bonjour à tout le monde. Attendez une seconde. Donc, bah écoutez, ça fait plaisir. Le cours Zoom était assez sympa, on a fait de la phonétique. Alors, Curtis est là. Ashley est là, bonsoir. Tout le monde, ce n'est bien... Oh, parce que vous écoutiez... Oh, Ashley faisait l'espion, il n'a pas voulu participer. Souvenez-vous, Ashley, faut marquer votre nom dans le chat si vous voulez participer, parce qu'après, j'ai mauvaise conscience, Ashley, maintenant, j'ai mauvaise conscience. Émilie, bonjour Émilie, Classis, rebonjour, Papillon 97, oh, Papillon 97, c'est quelqu'un maintenant, Papillon 97 est un membre, parce qu'il y a une possibilité de devenir membre, effectivement, pour soutenir et pour avoir des choses spéciales. Victoria, bonsoir, bonjour Victoria. Zoom était extraordinaire. Bah, on a fait de la phonétique, c'était pas olé olé, hein, c'était, mais en tout cas, je pense que les gens prononcent mieux après. Et ça, c'est ça qui était important en fait. William est avec nous. Bonjour, bonsoir William. Anou est là. Bonsoir à nous, et puis je crois que tout le monde, j'ai dit bon, non, Hélène est avec nous aussi. Bon, alors ça va être spécial là, parce qu'effectivement je vais être obligé de faire les choses en direct, ou sinon peut-être qu'on va faire des choses qu'on a déjà faites, si vous avez déjà fait les cours, mais on va voir, je vais vraiment faire le maximum. Regardez, c'est comme d'habitude,
Alors, c'est à vous la parole. Et si tout va bien, mais je ne sais plus si tout va bien, regardez, oui! Allez, fait-il beau chez vous? Faites-moi une petite phrase à nous. Vous êtes un nouvel étudiant. So, à nous, I will speak in French because that's the concept of this, I mean, this series of videos or live streaming, the way you want to call them. But yeah, I will speak in French. So, but it's okay. Don't worry and try your best. La question, fait-il beau chez vous? Écrivez-moi une petite phrase et bien sûr, je corrigerai. Alors, j'ai choisi une musique, des musiques qui vont, j'espère, plaire à Ashley parce que Ashley est très exigeant au niveau musical. J'ai remarqué. Alors, Viola, c'est la première à nous répondre et Viola nous dit, oui, en Italie, il fait beau. Faites attention, Viola, parce qu'en français, quand on écrit Italie, alors déjà on écrit avec une majuscule, c'était très bien, mais Italie, c'est L-I-E. D'accord, mais sinon c'était très bien. Jean-Michel Ramirez qui nous dit, oui, il fait très beau, merci. Judith qui nous dit oui à Saint-Julien, il y a du soleil. Faites attention, Judith, ça c'est un classique. Et si ma mémoire est bonne, Judith, c'est pas la première fois que vous faites cette erreur. Il y a, souvenez-vous, qu'il y a un espace entre Y et A. Il, i, et après a. C'est le verbe avoir, hein, souvenez-vous, c'est le verbe avoir. Émilie nous dit oui. Il a fait plus de 20 degrés, c'est très chaud pour l'Angleterre. La plus grande partie de la semaine, j'ai donc pu sortir beaucoup. Et c'est vrai qu'on se souvient, Émilie, que vous avez fait du vélo et que vous avez failli perdre votre sœur, si ma mémoire est bonne. Claudia nous dit, il fait très beau, il y a beaucoup de soleil, mais il fait plutôt froid. Abir nous dit, oui, il fait beau en Jordanie, il y a du soleil, avec un magnifique soleil, Abir, c'est formidable. Ben nous dit, oui, il fait beau à côté de Paris. Alors Ben, soyez généreux, mettez une belle capitale à Paris, une lettre majuscule. Donc j'imagine Ben que vous n'avez pas les accents, mais souvenez-vous, un petit accent sur le A parce que c'est la préposition et côté avec un accent aigu. Mais c'est formidable comme ça. Merci. Victoria, non, il fait. Alors faites attention, Victoria, dites, il ne fait pas beau ou il fait mauvais temps. Donc mauvais, c'est l'adjectif. Mauvais. Temps, c'est TEMPS. Il fait mauvais temps. Et attention, attention Victoria, les villes, on va les introduire avec la préposition à. D'accord? À Paris, à Madrid. Ensuite, Curtis nous dit, après 3 jours de pluie et de vent fort, il fait enfin beau à Boston. Bah écoutez, c'est bien. J'espère que les températures sont sympathiques aussi. Marois, bonjour Marois. Oui, il fait très beau. Je viens de me promener. Bah, ça, c'est formidable. Avec un masque, Marois, j'espère. Il faut se promener avec un masque, des gants, des écharpes, tout ce que vous voulez pour vous protéger. Diane nous dit, oui, il fait beau en Bretagne. Oh, ça c'est formidable, vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Joseph nous dit bonjour, bonjour Joseph, Classis, il fait très nuageux en Caroline du Nord. Faites attention, Classis, nuageux, vous avez mis dans le mauvais sens, hein. Nua, et après c'est correct. Alors, Julia nous dit il fait beau ici, pas très chaud, mais il y a un soleil en tout, est-ce que c'est toute l'après-midi? Je regarde un homme qui profite du soleil sur le toit, juste avec un E.
devant ma fenêtre. Eh bien, c'est parfait, Julia. Erin qui nous dit, ici, il neige en Ontario, Canada. Mais c'est le printemps. Ouais, faites attention, Erin, printemps, Prin. Il n'y a pas le E. Je suis confuse. Ah, oh, vous savez, les changements climatiques, Erin. Le temps est beau, nous dit Papillon 97. Les papillons sont contents. Alors, comme ils sont contents, il faut mettre le pluriel, parce que c'est content avec un S, Papillon 97. Méron nous dit, il y a du soleil, mais c'est pas chaud, il y a du vent. D'accord. Marois dans la forêt, le masque n'est pas important, je pense. Oh, vous ne savez pas. Les animaux, hein, il y avait un lion qui avait contracté le Covid. Faites attention, je ne sais pas. Ashley nous dit, le soleil brille, le temps est doux. Aucune idée. Envie de bouger, un classique. D'accord. Très bien. Alors, je pense que tout le monde s'est exprimé sur cette question. Alors, je vous ai dit, on va être obligé probablement de recycler quelques petites choses qu'on avait faites avant, mais ce sera l'occasion de vous tester et on verra. Maëder nous dit bonjour à tous. Bonjour à vous, bienvenue dans le cours. Regardez, c'est relativement classique. On y va, ça doit être rapide, hein. Normalement, vous avez la réponse. Alors, très bien, excusez-moi, j'étais en train de regarder en même temps à quoi ressemblait ce document sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Mais nous sommes tous d'accord que ce que nous cherchions maintenant, attendez, je clique bien sûr pour que... Ah, voilà, ça marche. Donc, je me demande, c'était effectivement me, je crois que... tout le monde, Ashley est content parce que Julia est de retour. Oui, Ashley demandait, mais où est Julia ce matin? Donc effectivement, elle avait disparu, mais elle est là et elle nous dit, peut-être que le masque protège, mais peut-être qu'il ne protège pas. Je ne sais pas, je ne veux pas de discussion comme ça. Nous, on fait de la grammaire et du vocabulaire. Allez, si vous voulez. Donc c'était me, tout le monde là, je crois. Attendez, attendez. Je me demande, faites attention, David. Je me demande, regardez, on ne met pas d'accent puisque c'est le présent. Sinon, tout le monde l'a bien écrit. Ouais, c'est parfait. Donc là, c'était vraiment pour démarrer et regardons la phrase suivante. Je vous donne une petite minute, s'il vous plaît. Et ça, c'est pour faire réagir Ashley.
Alors, nous étions à la recherche d'un pronom, et donc le pronom c'était Y. Nous sommes d'accord là-dessus. Faites attention, Méron. Méron, le verbe c'est falloir, et ici c'est la forme conditionnelle, donc c'est faudrait. Faites attention, c'est FAU. Donc, vous avez mis un O, mais bon, c'est probablement une petite erreur. David écrit le Y. Ouais, David, comme vous avez probablement remarqué, les gens écrivent les phrases parce que c'est un conseil que j'ai donné. Si vous écrivez les phrases, c'est un bon exercice pour vous, juste pour pouvoir déjà vous souvenir de l'orthographe des mots et comment positionner ces mots dans la phrase. D'accord? C'est juste pour pouvoir en profiter au maximum. Sinon, donc, Ton nous dit il faudrait y aller, c'est parfait. Samantha ou Curtis, c'est bien. Save the best, pas de problème. Irène, c'est parfait aussi. Marois, c'est bien. Erin, oui. Joseph, pas de problème. Claudia, qui ne veut pas écrire la phrase, c'est une révolutionnaire. Julia, alors, vite, hein? Oh, il y a des discussions entre les gens là maintenant. Alors, David qui dit, bah, je pense qu'il m'applaudit, oui, il dit d'accord. Je crois que c'est pour dire d'accord. Allez, on attaque la prochaine et maintenant, je vous donne 1 minute, s'il vous plaît. Alors, il semblerait que ça ne pose pas de problème. David, faites attention, David Malol, parce que l'accent, alors vous avez les accents, et souvenez-vous qu'après, c'est un accent grave, d'accord? I just called, c'est la même chose, faites attention, l'accent, il est sur le E, et c'est un accent grave, comme vous voyez. Classis, il n'y a pas de problème. Samantha ou Curtis, c'est bien. Irène, ça va. Judith, vous n'avez peut-être pas les accents, donc c'est pas grave. Save the best, faites attention, l'accent c'est dans l'autre sens, c'est un accent grave. Victoria, d'accord. Claudia, c'est magnifique. Claudia, merci beaucoup. Pour tous les autres, Émilie, comme d'habitude, c'est bon. Méron, c'est bon aussi. Je crois que tout le monde, oui, donc là c'était vraiment facile, hein. Alors on continue avec celle-là. Alors, c'est effectivement Marwa qui est la première. Marwa, félicitations. Alors, Marwa n'avait pas envie d'écrire la phrase, par contre. Mais elle est la première. Abir aussi, c'est bien. Erin, faites attention, Erin, vous avez oublié la première partie de la négation. Ne. Alors, quand on parle, ça va, mais quand on a envie d'écrire correctement, c'est mieux de le mettre, d'accord? Meron, c'est bien, I just called. Ah, I just called, faites attention. Ah, excusez-moi. Attendez, excusez-moi, voilà. En fait, ici, c'est vraiment le pronom le, on est d'accord?
Je regarde les autres. M'a aidé, dit oh mon Dieu, donc j'imagine que c'est trop difficile, m'a aidé, c'est pas grave. Regardez, apprenez et il n'y aura pas de problème. Ensuite, d'accord, ton c'est bon, Andé c'est bon, Joseph c'est parfait, David, ouais, faites attention. Ah, David m'a proposé une traduction de mieux, hein, à la fin de sa phrase en anglais. Merci beaucoup, David. Je crois que tout le monde a la bonne réponse. Irène c'est très bien aussi, Claudia parfait, Judith. Judith, faites attention parce que, regardez, c'était personne ne. Alors, vous avez déjà votre verbe en fait. Votre verbe, vous l'avez, c'était faire. Donc, ici, l'idée, c'était de chercher plutôt le pronom. Hein, personne ne. Le. Parce que les pronoms, souvenez-vous, on les met avant le verbe, Judith. Ok? Ne le fait mieux. Très bien, on continue avec, ben, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, c'est pour ça qu'on l'a déjà fait celui-là, parce que je me souviens du Liechtenstein. Donc logiquement, puisqu'on l'a déjà fait, la majorité des personnes qui étaient ici avec moi s'en souviennent. La question, c'est quelle est la préposition? Oh là là, et là je me dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Save the best, c'est formidable. Joseph, je dis bravo. Julia, c'est parfait. Habir, impeccable. Oh, Jean-Michel, que se passe-t-il, Jean-Michel? Regardez, souvenez-vous, Liechtenstein, c'est masculin. I just called, c'est bien. Andy, faites attention, c'est masculin, donc c'est O et pas en. Méron, c'est la même chose. Marois, c'est formidable. Tonde, c'est bien. Judith, faites attention à. En général, c'est pour les villes. Donc ici, c'est plutôt O. Ok. Erin, ouh, attention, c'est masculin, donc c'est O. David, non, c'est masculin, donc ça devrait être O. Maïdé qui change totalement. Oui, mais l'exercice m'a aidé, c'est Liechtenstein, c'est pas errant. Alors, Classis nous dit O et c'est formidable. Ice Cube, O aussi. Oh bah Ben nous propose trois options. Non, 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 c'est pas tout à fait ça. Et finalement, Samantha ou Curtis nous dit O et c'est bien. Émilie, je crois qu'Émilie, elle a retiré son message parce que elle avait un doute. Alors, normalement, hein, effectivement, c'est O parce que c'est masculin. Claudia l'a bien compris aussi. Je dis bravo parce que ça, on a fait l'exercice il y a encore quelques temps et vous savez, vous avez fait beaucoup plus d'erreurs. Donc, nous progressons ensemble et ça, c'est vraiment, vraiment sympathique. Allez, regardez, donc c'est O, hein, donc ça, c'était clair pour tout le monde. Si vous avez encore des doutes, j'ai fait des vidéos sur O, sur en et sur O au pluriel, AUX, d'accord? M'a aidé, j'habite en Iran, ok? Mais m'a aidé. Ce n'est pas l'exercice, malheureusement. Malheureusement, je ne veux pas être trop autoritaire, mais ce n'est pas l'exercice. Alors, regardez, on continue avec ça, s'il vous plaît.
Alors, je pense que dans la plupart des cas, tout le monde a trouvé que c'était cher et qu'effectivement, dans ce cas-là, comme vous le voyez à l'écran, on doit utiliser le masculin comme c'est cher. Donc, il n'y a pas de problème si vous devez demander trop cher. Oui, c'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher. Et ça, c'est dommage. Alors ensuite, oui, d'accord. Il y a juste une personne qui avait mis un adjectif qui a été bloqué par YouTube, que j'ai débloqué. Parce que c'était une grossièreté, et je ne vais pas vous dire qui avait écrit une grossièreté, mais c'était un accident. C'était une grossièreté involontaire. Donc ici, c'est cher, comme c'est cher. Et je pense que tout le monde l'a trouvé. Papillon, la musique est comme avec des lunettes de soleil. Ah ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, eh bien, je vais la remettre. Tenez, je ne parle personne. À vous de trouver effectivement le mot qu'on cherche. Alors là, effectivement, la question c'était de savoir qu'est-ce qui manque à cette phrase. Certaines personnes pensent qu'il manque pas, mais en fait non, parce que nous avons déjà ne et après nous avons personne. Souvenons-nous que ne et personne c'est suffisant. On n'utilise pas le pas. Donc c'est pas la négation qu'on cherche. Et donc probablement c'est regarder. J'appuie sur le bouton et c'est magique. C'est une préposition. Beaucoup de personnes avaient trouvé le A. Et c'est effectivement la préposition A. Parler à quelqu'un. Et donc ici c'est la négation. Je ne parle à personne. Je ne parle à personne. Voilà, en tout cas, écoutez, la majorité non. Oui, Judith propose avec, c'est acceptable. C'est acceptable, Judith, parce qu'on peut utiliser parler avec quelqu'un, donc pas de problème. Bon, normalement, on utilise plutôt à que avec, mais pas de problème, c'est tout à fait acceptable, Judith. Pour les autres, Claudia, ça va. Pour les autres, non, c'est bien. C'est... David, je ne parle à Barcelone. Alors, David, désactivez votre correcteur orthographique, s'il vous plaît, David. Allez, nous continuons avec cette phrase. Et je vais choisir un autre morceau. Regardez-vous, mon Dieu, c'est formidable. Vous donnez des bonnes réponses. Tout le monde trouve. Et oui, et ça, c'est intéressant. Donc, effectivement, le if hein, donc, va être traduit en si. Hein. Si tu veux, tout le monde me l'a donné jusqu'à maintenant. Donc, si tu veux, pas de problème, on continue. «
Alors, regardons ce que vous me proposez. Ça arrive progressivement. Alors, Ashley, c'est la même chose. Ashley me propose des choses assez originales, puisque c'est très étrange, le chi. Qu'est-ce que ça veut dire, chi, monsieur? Alors, ensuite, mais bon, et puis sans accent. Oh, c'est un petit peu original, oui. Et puis après, il met le accent aigu un petit peu plus tard. Alors, regardons ce que vous me proposez. Ouais. I just called. Faites attention avec vos. C'est un accent aigu, d'accord? Attendez, je vous le donne ici. C'est un accent aigu à la fin. Habir, pas de problème. Michel, je ne suis pas sûr si. Rafraîchissez peut-être votre page. J'ai l'impression qu'on n'est pas au même niveau. Ton, c'est bien. I just called. Faites attention, c'est appeler avec un accent aigu. Dayang, appeler tout simplement. Hein. C'est pas la peine de mettre lui, puisqu'en fait, on a déjà notre pronom dans L apostrophe. Hein. Il est là le pronom déjà. Donc je l'ai déjà appelé. David, ouais, c'est bien David, pas de problème. Lin-Lin. Ouais, alors sans les accents, bon, d'accord. Et je comprends que votre clavier ne doit pas l'avoir. Marois, c'est bien. Ice Cubes, c'est bien aussi. Curtis, pas de problème. Je pense que pour les autres, c'est bon aussi. Classis, ça va, ouais. Très bien. Ashley, c'était mon portable. Oui, bon, on accuse ce qu'on peut, monsieur. Regardez, et ça, c'est la prochaine. Alors, jusqu'à maintenant, je vois juste uniquement des bonnes réponses. Eh bien, Michel, faites attention, Michel, c'est pas vraiment ça. Regardez avant et après. Julia était excessivement généreuse puisqu'elle nous a offert deux L dans plus. Je ne sais pas comment on pourrait le prononcer avec deux L. Plus, oui, peut-être, c'est possible, mais ça n'existe pas encore dans la langue française. Ensuite, Lin-Lin, c'est bien, Ben, Maë, pas de problème. David, ouais, faites attention, juste David, c'est pas, hein, pas PAS et c'est pas par. C'est Monta, donc Curtis, c'est bien. Marois aussi, Classis aussi, Judith, faites attention, regardez. Excusez-moi, j'appuie sur le bouton, comme ça c'est à votre écran. Vous voyez que ça n'est pas vraiment encore, mais c'est plutôt plus ici. Andé, c'est bien. Joseph, pas de problème. Bon, bah écoutez, Claudia et Abir, c'est parfait. Regardez cette phrase-là maintenant. Là, c'est parfait aussi. Hein. Nous étions à la recherche de me. Je me demande. Très bien. Donc, je me demande ce qu'ils font. Je regarde. Tout le monde me donne la bonne réponse. Donc, il n'y a pas de problème. Faites attention.
Oui, bah oui, Marois. Ah, je vous ai expliqué, Marois. J'ai été honnête, Marois, dès le début. J'ai dit que mon ordinateur a crashé et que j'essaye de récupérer ce que je peux. Nous l'avons déjà fait. Je vous l'ai dit, je suis un homme honnête, Marois. Alors, très bien, regardons ensemble. Tout le monde. Ouais, je pense que tout le monde là. Alors, Julia, je me demande ce qu'ils font. Ah, c'est, on réinvente l'orthographe avec Julia, et c'est ça toute la beauté de la créativité. Oui, mais mes doigts tremblent. Oui, c'est facile d'accuser les doigts. Allez, on continue avec celui-ci. Alors, je vous remercie beaucoup. Je dois dire que si Molière était avec moi pour regarder tout ce que vous m'écrivez pour cette phrase-là, ah, je pense qu'il aurait souri. Alors, Ashley qui est très généreux avec les S, qui propose une crise cardiaque. En fait, Ashley, c'est juste avec un S. Donc, un seul, je l'accepte. C'est féminin, faites attention, c'est une crise cardiaque. Alors, Julia qui proposait un infarctus qui n'existe pas encore. Et je crois qu'elle. Oui, elle corrige après. Elle corrige après avec le R, un infarctus. I just called nous dit une cardiaque attaque. Alors, vous pourriez dire une attaque cardiaque. En général, c'est plutôt comme Ashley avait dit, c'est-à-dire une crise cardiaque. Meron, c'est pas un factus non plus comme Julia, mais c'était un infarctus que vous voyez probablement à l'écran maintenant. On est d'accord tous les autres. Emma qui propose une cardiaque. Pas vraiment Emma, parce qu'en fait, cardiaque, c'est juste, c'est un adjectif, vous savez. Donc une crise cardiaque, donc cardiaque on l'utilise comme adjectif. Une crise cardiaque, oui, je l'accepte. Alors Tonkal nous propose un attaque de cœur, pas vraiment, attaque de cœur ça n'existe pas. Crise cardiaque ou alors infarctus, comme vous voulez. Joseph nous propose mal de cœur, faites attention Joseph parce que... avoir mal au cœur, ça existe, mais c'est synonyme de avoir la nausée. Vous savez, vous allez en voiture dans les montagnes et ça tourne et ça tourne. Ashley le sait très bien. Et au bout d'un moment, vous avez mal au cœur, c'est-à-dire que vous avez la nausée, vous avez envie de vomir. Et c'est totalement différent en fait. D'accord? Donc ici, c'est je fais un infarctus ou alors je fais une crise cardiaque. Et ça, je l'acceptais, pas de problème. Très bien. Nous continuons ensuite avec cette phrase-là. J'espère que vous la voyez. Et on y va. Alors, Maïdé, les questions s'affichent sur la vidéo, sur l'écran. Et vous regardez à côté et vous verrez la phrase en anglais, la phrase en français avec un mot qui manque.
Il faut chercher le mot. Alors, Émilie Foster vient de nous rejoindre. Bonjour Émilie, vous pouvez participer à la leçon, comme d'habitude. Vous savez comment ça fonctionne. Alors là, je dois dire que franchement, et c'est là qu'on remarque que vous apprenez franchement très très bien les choses, tout le monde, ou presque tout le monde, a trouvé rien. Souvenez-vous que rien, on va le construire avec d'abord la première partie de la négation, ne. Vous mettez votre verbe ou votre expression, ici c'est avoir peur de, et vous finissez avec rien. Je n'ai peur de rien. Et là, je dis bravo. Je dis bravo. Et là, c'est vraiment très, très agréable. Félicitations à tout le monde. Regardons la prochaine phrase. Impressionnez-moi, s'il vous plaît. Et voilà, et c'est quand on remarque que tout va bien, là je dis félicitations, c'était pour, et tout le monde l'a trouvé, Michel l'a trouvé, Abir l'a trouvé, Andy, Save the Best, Ben l'a trouvé, Classis aussi, Curtis l'a trouvé, Lynn l'a trouvé, Meron, tout le monde, Marois aussi qui est là. Attention, nous Judd, c'était pas A, mais c'était pour. Continuons et voyons si tout est clair pour les prochaines. Et voilà, l'idée ici, bien sûr, c'était de trouver la deuxième partie de la négation. C'est un passé composé, c'est le passé composé du verbe penser. Et souvenez-vous que la deuxième partie du passé composé vient toujours après l'auxiliaire, c'est-à-dire avoir ou être. Ici, c'est avoir, donc je n'ai pas pensé à toi. C'est assez triste de dire ça, mais ça peut arriver. Faites attention, m'a aidé, je n'ai pas pensé, P-E-N-S-E.
E, accent aigu, on ne marque pas le féminin. Merci, regardez maintenant celle-ci. Normalement, là, c'est vraiment, vraiment facile. Enfin, je devrais arrêter de dire c'est vraiment facile parce qu'on m'a fait la remarque, on m'a dit « Ah, il faut pas dire ça !» Donc, c'est pas facile alors. Alors, c'est clair pour à peu près tout le monde. Classis, attention, petit masculin, Lin Lin, petit masculin, parce que c'est masculin, livre, un petit livre. Pour les autres, je suis en train de regarder. Tout semble tout à fait correct. Andé nous propose une nouvelle orthographe pour livre et c'est Luvre. Alors faites attention, Andé, c'est livre, L-I-V-R-E. Voilà, c'est parfait. Sinon, tout est bien. Claudia aussi, Ice Cube aussi, Maëdé, c'est parfait. Judith, très bien. Irène, parfait. Ben aussi. Tout le monde m'a donné la bonne réponse. Regardez, c'était petit, donc P-E-T-I-T. C'est un petit livre. Regardez, ça continue. Alors, bonsoir Render World, vous pouvez participer. Oh, et là je dis, Julia et Ashley, vous avez fait une erreur, je dois dire, assez tragique. Alors, je vois que Julia se rattrape, comme on dit, en proposant une deuxième version. I just called Andy, Ben, vous faites l'erreur classique avec ce type de verbe et ce type de phrase. Je continue à regarder les réponses. Et voilà, c'est Marois qui nous donne la solution, qui nous dit qu'effectivement, ça n'est pas un COI, mais c'est un COD, complément d'objet direct. Connaître quelqu'un ou connaître quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire clairement ? Ça veut dire que notre pronom, puisqu'ici c'est le masculin, troisième personne, ce sera le. Alors Ashley qui met COD, oui, ce sont des codes, monsieur. Alors COD, complément objet direct. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez votre verbe, je connais, vous allez poser la question quoi ou qui, et vous obtiendrez le complément d'objet direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préposition après le verbe. Je connais monsieur un tel, je connais madame, et donc on va utiliser les pronoms me, te, le, la, nous, vous, les.
Voilà. Donc ça, c'est les compléments d'objet direct et les pronoms compléments d'objet direct. Et non, non, Ashley, ça ne se mange pas avec les frites, les compléments d'objet direct. Et surtout pas avec de la mayonnaise. Allez, on continue avec cet exercice. Ben ça, c'est pareil, c'est pareil. Allez, vous me les donnez parce que normalement, il n'y a pas de problème. L'idée, regardez, on est d'accord, hein. On va utiliser des structures impératives et on va utiliser les pronoms en. Allez-y, s'il vous plaît. Nous vous écoutons, je vous écoute, je vous attends. Voilà, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton ou est-ce que c'est bon? Je ne sais plus. Alors, pour les autres, tout va. Regardons, regardons. Donc, ouais, idéalement, j'aimerais bien avoir, si c'était possible, le point d'exclamation parce qu'en fait, c'est un impératif ici. Et comme c'est un impératif, ce serait bien. Mais donc, comme je vous avais dit, tout semble bien. Julia, faites attention. Donc, fait, FAIS. Tous les autres, ça semble être bon. Faites attention, Judith, hein, c'est pas faire quelqu'un, mais c'est plutôt fait, impératif, et puis après en. Comme ça, vous pourrez le faire. On fait la liaison, faisant, hein, ou faites-en comme Joseph. Joseph nous avait proposé faites-en, c'est pas mal aussi. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Ça continue. Toujours la même structure, toujours l'impératif. Donc si vous pouvez mettre un point d'exclamation, ce serait formidable. Alors là, j'avais envie de tester effectivement pour voir si vous alliez suivre ou si vous alliez mettre les autres pronoms. Alors, oui, faites attention parce qu'ici, on avait le pluriel. Et comme on avait le pluriel, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit mettre les et on ne doit pas mettre en. Donc là, certaines personnes, malheureusement, tombent dans le piège. Alors, je m'excuse, vous allez me détester. Regardons qui a réussi
Classis a trouvé. Classis, je dis bravo. Je ne vois pas si les autres ont trouvé. Joseph nous dit ne les mettez pas, c'est bien. Joseph préfère utiliser la forme pluriel et ça c'est pas un problème. Emma nous dit ne les mets pas, c'est bien aussi. Alors oui, je sais, vous allez me détester, hein, mais je fais mon travail. Victoria, ne le mettez pas. Alors mettez plutôt Victoria le pluriel. Ne les mets pas ou ne les mettez pas, hein, c'est pas un problème. Claudia et tous les autres. Marwan, il nous dit ne les mets pas, et c'est bien aussi. Donc nous sommes d'accord de ce point de vue-là. Les autres qui avaient des doutes, tu as gagné Ashley, dit Ah ben personne n'a gagné pour l'instant. Alors attention, on va regarder maintenant. Et maintenant, vous devez trouver le pronom qui est correct. J'essaye de vous troubler maintenant. Faites attention, choisissez le bon pronom et surtout mettez la bonne forme. Alors, si la question, quand on se pose la question qui a gagné, c'est de savoir si vous écrivez la forme correcte ou pas, puisque c'est ce qu'on voudrait. Alors, effectivement, Ashley avait tous les bons éléments. Regardons. Akanksha aussi, Yulia aussi. Mais je dois dire que, soyons honnêtes, Marwa est la première à mettre le trait d'union et le point d'exclamation dans sa phrase. Tous les autres ne se préoccupent même pas du trait d'union ou du point d'exclamation que j'avais très gentiment demandé depuis le début. Alors, et si regardez Curtis, et Curtis, qui est quelqu'un de très poli, utilise la forme plurielle. Buvez-en, et c'est très bien. Boisant, c'est bien. Après, faites attention, Ice Cube, la forme, c'est pas boîte. Hein, faites attention. Soit c'est bois, Bois, ou alors c'est buvez. Hein. C'est un verbe un petit peu bizarre, le verbe boire. Je bois, tu bois, il boit. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Donc tous les gens qui ont décidé de mettre bois, c'est bien. Si vous voulez mettre le pluriel comme classis, classis nous donne les deux, c'est bien. Boisant et buvez-en, c'est parfait. Claudia, c'est bien. Victoria qui nous dit buvez-en, c'est parfait. Joseph aussi, buvez-en. Quelqu'un qui dit j'ai gagné, je ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est mystérieux. On voit des messages, on ne sait pas d'où ça vient. Allez, regardez celui-ci, ce sera peut-être le dernier pour aujourd'hui.
Alors, nous ne rentrerons pas dans les détails parce que je pense que les gens qui m'ont donné la forme, qui ont retiré le S, ce sont des gens qui ont bien étudié et qui savent que normalement on doit retirer le S pour l'impératif de tu, mais malheureusement, quand on utilise un pronom comme ça, on doit remettre le S parce que mange en, on considère que ce n'est pas joli et donc on va remettre le S pour ses raisons euphoniques, ses raisons esthétiques, mange-en. On considère que c'est beaucoup plus joli. Si vous mettez la forme manger, dans ce cas-là, c'est pas un problème, parce qu'effectivement, il faut juste mettre le trait d'union. Dayang, c'était parfait. Merci beaucoup. Tous les autres, vous avez... Alors, Michel, Rémi, faites attention, parce que si vous mettez manger, ça va être EZ. Hein. Redouane, ça n'est pas monge, mais c'est mange avec un E. Victoria, je suis désolé, je ne sais pas aujourd'hui. Ben, c'est pas grave, Victoria, pas de problème, pas de problème du tout. Regardons toutes vos réponses. Oui, alors faites attention, en fait, il y a un S hein, qui est une, on va dire, une exception grammaticale parce que c'est pour que ce soit beaucoup plus joli, pour cette raison euphonique qu'on a déjà rencontrée avant. Alors, juste, je vais vous libérer maintenant, mais la dernière question. Donc, j'aimerais que vous soyez bien concentrés parce que je ne l'ai pas écrite. Je vais juste vous poser une question et ce sera le dernier message que vous allez m'envoyer pour aujourd'hui. Et la question, c'est, et après on se quitte en même temps, quelle est la plus belle ville dans votre pays. Imaginez quelle ville je devrais visiter absolument si je vais dans votre pays. Voilà, c'est ma question. Je vous dis au revoir. Demain, c'était comme aujourd'hui, les mêmes heures, 10 heures pour le cours, qui est le même cours que celui-ci, 16 heures pour Zoom et 17 heures pour le même cours qu'aujourd'hui. Ce sont les heures de Paris. Donc ma question, quelle est la plus belle ville de votre pays ? Au revoir.